En vrai. Je joue beaucoup sur les erreurs des gens, donc les gens se sentent bêtes entre guillemets eux-mêmes, leur perdu. Tu sais qu'ils se sentent agacés, tu vas te dire oh putain ça, je vais le refaire. Et bah, ça va être... Parce qu'en fait c'est de plus en plus simple, plus il est agacé, ouais, plus il va... Ça me faisait de la peine, donc, non mais je voulais qu'il joue à son meilleur niveau. Puis quand on est agacé, après c'est pas son problème. Et on a une autre Palutena. Palutena, peuf. Ah oh, t'as dit que c'était pas cette soirée, j'ai failli l'upset. Enfoiré. Enfoiré. Palutena. Donc on va se concentrer sur le On a un gros débat sur ce match-up avec Jean. Pour moi, Palu, elle explose Puff pour cette même raison, en fait. Parce que quand elle est dans les airs, Palu va avoir toutes les priorités. Ouais. Et elle va avoir trop du mal à sortir des nerfs, des uppers. Elle va se les prendre trop facilement, même les backers qui vont avoir la prio. Mm-hmm. Et je sais pas pourquoi, bah, Jean, il dit que c'est even, voire Puff, je crois. Non. Après, Jean a des amis un peu. Puff, Lucina, ça se joue. Pas vraiment que ça joue, mais... On a vu Bassmage déjà gagner contre Chag et tout, mais bon, c'est sûr. Je veux dire, théoriquement, juste en théorie, Puff, elle adore jouer dans les airs avec Big Box, et Palutena, elle va toujours gagner à ce jeu-là. Oh, la peine, gros, je ouais, après... Où est-ce qu'il se joue le match-up pour Puff, pour toi? Ah bah, dans les airs, hein. Mais surtout, c'est vrai que... C'est pas un match-up pour moi. Ça se tout frame assez facilement, de ce que je crois comprendre en plus, ça, Palu. Ça se tout frame, c'est un timing assez facile, ça va être sur les coups, donc c'est facile. Du coup, sur ce point-là, Puff a des gros points forts à jouer, après gagner le neutral quand même. Ouais, mais voilà, ça a l'air trop dur de gagner le neutral. Ah bah, tu vas me laisser, vas-y, bah, je vais finir de caster la game et moi je vais aller manger parce que j'ai trop faim. Force, hein, disais. Tu gagnes ce soir, j'ai mis ma pièce sur toi. Bon, on a eu un petit avis de top player, au moins c'est intéressant. Et par contre, on a une deuxième fois, c'était une intro peut-être à l'heure, ou alors d'un tilt backer qui est mal DI de la part de notre ancien, qui n'arrive pas à DI out cette back throw qui part trop vite, ou cette d'un tilt parce que c'est quand même assez difficile. On n'arrive pas à trouver un plus gros punish que ce grab, c'est un peu dommage parce qu'on sait que les plateformes c'est un peu un terrain de jeu pour Jean. L'avantage de base est un terrain de jeu, mais les plateformes encore plus, surtout quand elles sont non takées. Quoique même pas, en fait, je pense qu'il a de meilleurs punish quand c'est také. Quoique non, en fait c'est la même chose, je me perds un petit peu mais c'est la même chose. Bon, on a quand même une grosse avance puisque là la puff on peut considérer qu'elle est déjà à kill pourcent presque au ledge. On tente les mêmes F smash que la Nono Colors et on abuse de ce back air. On a Arima qui a vraiment une palu très back air, très fondamentaux, très là où tu veux taper, là où tu veux être. Moi je vais mettre mon back air, tu pourras rien mettre qui va gagner de toute façon pour ce back air, donc dans tous les cas je partirai gagnant. Mais on peut pas dormir sur un joueur et un pick comme un joueur comme Jean et un pick comme Jigglypuff, puisqu'on sait que une touche peut faire la différence. On l'a assez vu et revu, que ce soit en tournoi ou sur les réseaux. Mais est-ce qu'on va se prendre une troisième fois cette d'un tilt backer? Malheureusement, il y a trop de pourcents maintenant, c'est trop compliqué. Et on va mourir au up tilt, intéressant. On se met de dos, on tente ce up tilt, ok, c'est assez intéressant. Là, on est clairement à 100%, mais les connaisseurs du TikTok de @ultimatejean sauront que tout est possible. Mais non, le rêve existe peut-être bel et bien pour Arima ce soir. Peut-être bien. Bon, après, je dis ça, il a souvent gagné des games. Il a souvent gagné des games. Ça va être de fermer le set qui va être bien plus difficile. Mais, si Julien décide de rester sur Rondoudou, ce qui est tout à fait possible, puisque comme je le disais, je crois que son avis sur le match-up est qu'il est environ vers Rondoudou, even ou vers Rondoudou, je sais plus. C'est possible qu'il tienne jusqu'au bout. Moi, ma take, c'est que si Arima continue de jouer de la sorte et de profiter du disjoint d'un tilt de Palutena pour tout frame la puff, qui va souvent essayer de jouer autour de Sledge, il va pouvoir continuer à trouver des kills comme ça. Après du coup on est quand même en grande finale d'ailleurs, il y a marqué loser part of final, c'est de la grande finale, en grande finale de cette GTN, donc on imagine qu'on est sur des joueurs qui sont largement capables de s'adapter. Mais on va voir, on arrive à remettre la puff dans les airs, de toute façon ça sera toujours dans les airs, et on va chercher à extendre cette phase d'avantage, mais cette phase d'avantage qui est devenue celle de Jean, c'est un peu... Ça se reverse énormément là, ça cherche beaucoup à taper dans tous les sens, et je pense qu'on a un miss input de la part de Jean, on n'a pas d'énormes punish, on n'a pas grand chose de plus à faire de ce côté là du terrain. On n'a pas envie de prendre plus de risques que ça, de se faire endormir. Et on chope la neutral get up, c'est un très bon call out de la part d'Arima qui repart en tête de cette game. On n'arrive pas à choper cette roll, c'est quand même un peu difficile. Pour l'instant, en vrai, on a quand même... C'est pas un stomp, mais on a une avance constante de la part d'Arima qui connaît très bien le joueur, connaît très bien le pick,
c'est ce qu'il a à faire. À une palu qui est plus que propre. Hein. De toute façon, c'est un joueur qui sait jouer beaucoup de personnages, mais pour le coup, sa Palutena est un vrai personnage. Il a déjà sorti à ce niveau de jeu plus d'une fois. Malheureusement, on meurt encore du up tilt. Qui a été mal DI, je crois qu'il a été mal DI puisque j'ai pas vu d'éclair rouge, mais honnêtement je ne saurais dire. On arrive à recommencer une phase d'avantage à 0%. Elle peut pas être plus meurtrière que ça malheureusement, puisqu'après la dent pro, ben, visiblement il n'y a pas grand chose de pro. On arrive à la meta stage. Au final on a parlé du fait que, enfin on disait tout à l'heure, parler du fait que le matchup allait beaucoup se jouer off stage, mais on voit pas beaucoup de kills faits par Jhin off stage. Alors soit c'est par la... Et on a encore un petit backer qui touche, c'est vraiment son arme hein, dans ce BO pour l'instant. Et oui, du coup, c'est peut-être avec Arima qui mix-up bien ses recovery. Et tout simplement aussi parce que même quand il prend des coups, on le voit tech, donc je sais pas. Je sais pas si Puff est vraiment la solution jusqu'au bout pour ce set. De toute façon, on est en winner finals, hein, donc on sera pas entièrement out du bracket. Si on perd, on aura encore la loser finals pour remonter le bracket. Et ça fait quand même du bien de sortir en winner side. Surtout si on est Arima et qu'on n'a pas l'habitude de gagner contre le joueur, on a envie de potentiellement avoir ce 7 de plus en grande finale. Il ferait du bien. Et on est bien parti pour l'avoir. On est très bien parti pour l'avoir. C'est la game 2, on a une troisième kill à la petite. C'est assez incroyable. Je sais pas ce qui fait qu'il trouve tous ses kills au petite, mais c'est assez marrant. Et on va frame trap avec le grab, on va pas laisser respirer. Palutena, c'est très 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 fort dans cette situation. On n'arrive pas à trouver ces phases d'avantage folk, je trouve. Ces phases d'avantage folk, on a l'habitude de voir Jhin faire. Et je ne saurais dire pourquoi, honnêtement. On a trouvé la back row, on va pas lancer. Et à l'inverse, on va choper un... Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un frame trap, mais je pense qu'il a fait exprès pummel pour se dire que Jhin allait balancer une option de Deza paniqué vu que c'était la fin de la game et qu'il était à kill pour 100. Et pour punir celle-ci avec un backer, puisque de toute façon ça gagnerait contre n'importe quel hitbox. Et on est à 2-0, on est à un seul set. On est à un seul set de gagner cette winner final. Et je crois lire sur les lèvres de Jhin qu'il compte changer de perso, ce qui potentiellement ne m'étonnerait pas. Même moi qui ne suis pas un excellent joueur, je trouverais ça bizarre de relancer un game avec Rondoudou, à part s'il a vraiment spoté la raison pour laquelle il les perdait, mais enfin je vois aucune faille presque dans le gameplay d'Arima. On est obligé de carrément trouver des kills up tilt, ce qui est pas vraiment optimal quand on finit contre Rondoudou. Donc voilà, donc on va sortir le Wolf. Très très différent, mais en vrai je sais pas trop quoi dire, parce que je vais laisser le début du gameplay parler par lui-même, parce que en vrai je n'ai pas du tout vu ces joueurs jouer ce match-up. J'ai pas du tout vu ces joueurs jouer ce match-up. Ce que je sais, c'est que du côté de Jhin, on a décidé d'opter pour une map plus grande. On a vu qu'Arima, c'est d'un tilt backer, il ne les ratait pas. C'est même sa condition de kill principale. Donc on n'a pas envie de se retrouver offstage. On sait que Wolf, ça a des mix-up, mais ça reste un spacey. On n'a pas envie de se retrouver trop offstage pour potentiellement le reprendre. Et voilà, là on risque de potentiellement plus souvent être au centre du terrain sur une grande map comme PSG. Aussi, Palutena, c'est un personnage qui... Là c'est... Oh non! Et on va se faire kill de la sorte, c'est vraiment dommage. Au final je dis qu'il va avoir des difficultés offstage, mais pas du tout, au contraire! Au contraire, c'est offstage qui va prendre son premier kill de façon vraiment très brutale pour le coup. Et un truc intéressant aussi dans ce matchup pour Jhin, c'est qu'on pourrait se dire qu'on va chercher à tuer la palu vers le haut, puisqu'elle aime bien sauter, on a des up tilt, Jhin sait très bien utiliser, on a des up smash, voilà, exactement comme ça. Le plafond PS2 étant assez bas, ça devrait aider. Et on n'a pas spécialement envie de jouer trop la palu latéralement, parce que voilà, comme on disait, Arima, Palutena, Backer, il aura toujours la priorité, donc ça risque d'être plutôt compliqué d'aller contester tout ça dans les airs. Au final, sur cette map, on va pouvoir profiter du blaster. Arima de son côté qui, oh là là, je sais pas pour ses projectiles, mais vraiment, on peut pas respirer. Deux kills, deux side B, tu ne peux pas dormir. Peu importe où tu seras positionné, tu es en menace. Visiblement, même quand tu n'es pas là. Visiblement même quand tu n'es pas là, tu peux le prendre ce side B, il est toujours là, il t'attend, il t'attend. En vrai on en rigole, mais c'est quand même sacrément dommage, parce qu'on avait une bonne avance qui aurait permis de gratter un peu, et on est retourné sur une game complètement even à cause de ce missing put, donc c'est malheureux. Et maintenant on est sur une game complètement even, carrément en avantage de Palutena. On a deux persos qui ont quand même un neutral excellent,
Et du coup, c'est assez intéressant de voir comment les deux joueurs vont s'ouvrir. Même si pour l'instant, on voit beaucoup d'ouverture au backhand de la Palutena de Darema qui les maîtrise très très bien. Est-ce qu'on va trouver ce down tilt? Toujours pas. On peut pas réagir à l'air dodge. Au final, on préfère tenter des mix-up où on va air dodge sur le terrain pour pas se retrouver en situation de se prendre ce down tilt back air. Et qu'est-ce qu'on va tenter cette fois-ci? Un side B qui va encore connecter. Et là, on est en last hit, surtout pour Arima, puisque 138% c'est très facile de tuer le Wolf. Mais on peut quand même mourir d'un two frame et de beaucoup de choses chez Wolf ici. Oh non, on va tenter un contre. Heureusement, ça prend pas de hard punish. Oh là là, une phase de corner vraiment oppressive, mais on prend son temps. On prend son temps du côté d'Arima. Et une DI-in sur la dash attack. Mais quelle patience en situation de corner. Mais elle est incroyable, sa Palutena. Sa Palutena est incroyable aujourd'hui. Et finalement, du côté de Jin, on va peut-être revoir la take sur le match-up Jin-Palutena. Puff-Palutena. Très, très.